Hello tout le monde, c'est Lélé26, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau RPG horreur. Donc j'ai longuement hésité, sauf que par hasard je suis tombée sur celui-là. Donc c'est le même créateur que Mogego Castle, et qui s'appelle The Grey Garden. Donc apparemment, je sais juste que ça va être chelou, je pense comme tout ce qu'il fait. Et en fait, c'est juste les anges et les démons qui cohabitent ensemble, en fait. Donc voilà. Donc c'est pas forcément un RPG horreur, en fait, parce que j'ai regardé et sur le site, il dit juste RPG basé sur des histoires, en fait. Donc voilà, on verra juste. Apparemment, il va peut-être y avoir du sang. On verra. Donc c'est parti. Il était une fois... c'était un certain monde. Il y avait deux groupes. Qui achetaient des destructions. Attends, qui achetaient, donc c'est Brout. Qui achetaient destruction chacun. Je vois pas pourquoi la phrase... Ouais, je comprends. Qui les détruisait? Qui les tuait? La raison a été... devait être perdue dans le... A été... Ouais. Doit être perdue dans le temps. But. pas de doute. La raison ne... n'était pas sans raison, quoi. Enfin... après de longs conflits et des destructions, leur battle continua éternellement. À la fin de la guerre, ils font la paix. Ils choisissent de coexister. Ensemble, ils voulaient établir la paix. Certains peuvent penser que c'était de la folie, je pense. Ça. Certains peuvent penser que c'était pour le bien. Pour le meilleur, pardon. Pour le bien. Lol. Une longue ère de paix a régné. Et donc, après qu'il a passé de une longue période de temps. Encore un livre. Nuages. Oh, trop mignon. The Grey Garden. Your Sapphire. Quelle fleur est-ce que je vais être aujourd'hui? Ils sont tous mignons. Your Sapphire. Oh! En retard avec l'introduction, hein? Je suis Your Sapphire. Juste un démon plein d'énergie. Oh, et j'adore jouer dans le jardin. Lol. Il y a tout des introductions et tout, c'est trop chou. Ah, quel temps... Enfin, quel beau temps aujourd'hui. D'autres doux. Je sais pas ce que c'est. Ah,
Eh bien, je pense que je devrais y aller. Hop. Ouais, je pense que c'est la base. Non? Oh, celle-là, elle marche pas. Ok, d'accord. D'accord. Bon, bah, je vais faire comme ça. Je vais utiliser les flèches. Oh, ça marche plus. Je peux pas en prendre. Putain, mais il est long le jardin. En même temps, excusez-moi, mais le jeu il s'appelle. What? What? C'est quoi cette merde? Genre, c'est un peu un Pokémon ou comment ça se passe? On dirait un Pokémon un peu. Il y a des abeilles, je vais pas m'en rapprocher. Ouais. Je les évite parce que j'ai pas trop envie de me battre. Oh! Il y a quelqu'un. Hey, Froze! Oh! Froze. Ici, c'est Froze. Elle est un peu... On gère, ça veut dire quoi, je sais pas. Et un peu difficile, ouais, je pense elle est genre un peu froide, quoi. Mais elle est vraiment un bon ange. Et c'est ma best friend, c'est ma meilleure amie pour toujours. D'accord. T'appelles ça une meilleure amie, toi. Je pensais que tu étais là. J'étais en train de te regarder, Youssef. Oh, oh. Dis allô. Comment dire? Baked, ça veut dire quoi? Ah oui, à cuisiner ou je sais pas. Je sais plus quoi. La tarte à la pomme. Et m'a demandé de venir à toi. Oh, c'est fini? Vraiment? Ah, bien, allons-y. Oh, il a genre cuisiné ou un truc du genre, ou fait cuire. Je vais dire, il n'y a plus de musique, tu sais. Faut aller où, là? Non, rien sur ce chemin, probablement. Ah oh, bah, je pouvais pas savoir, en fait. Hein. Nous monte ce chemin, tu sais. Non. Ah! Elle a fait exprès, je suis sûre. Ah. Meuf s'en bat les couilles. Ah, ça fait mal. Pourquoi il y avait un trou ici? Je saigne. Ah. Froze. Silence. You blubbering clots, je sais pas. Je vais te soigner. Ok. Juste sors de là. Ah, je peux pas voler. Meuf désespérée, t'sais. En même temps, il y a que les anges qui peuvent voler, je crois. Attends, mais quoique, les démons ils peuvent pas voler avec leurs petites ailes démons là. Dialo.
Elle fait peur, elle. Je m'inquiète si j'ai fait assez. Chelan. Vrai. Yossa Cipher est un gros mangeur. Ça va probablement être bien. Oui, t'inquiète. Ça se mange, ces trucs-là. Nous sommes là! La tarte est tout à fait prête. Wow! J'adore les tartes à la pomme, Diallo. Quoi? Avec The Woods? Je sais pas. Elle est tombée. Ah oui, she wounds, ou ça veut dire genre vous êtes perdu. Enfin, genre, vous étiez. Qu'est-ce qui s'est passé avec. Avec le truc elle est tombée dans un trou. Oui. Et Froze m'a aidé. Enfin, m'a sorti de là, je pense. Peu importe. Si nous. Lutissons. Enfin. Voilà. Ça ne sera jamais. Voilà. Elle est morte en premier. Non. Je vais mieux, man. Je vais mieux à propos de ça, probablement. Ah, bien. Creuse, tout le monde. Creusez, tout le monde. Ouais. Genre, creuser. Genre, tu creuses le truc. Moi, quand je mange, je creuse. Voilà. Allez-y, creusez. Je supporte pas le bruit de l'horloge. Diallo. Elle adore les pommes, elle. C'est Diallo. Elle adore cuisiner. Ah, elle est un peu mystérieuse. Elle vit avec Shellan. Y'a pas de mec dans ce truc ou... Shellan. Et Shellan? Elle est vraiment silencieuse. Je ne l'ai jamais entendu parler. Elle vit avec Diallo. Ah ok, d'accord. It's the apple, yes. C'est bon. Miam, 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 miam. Délicieux. Où vient ton appétit, ta grande appétit? Oh, c'est rien, vraiment. Ce n'était pas un compliment. Yeah. Tu as l'air d'être un peu un. C'est pas genre chubby, genre peut-être lapin ces jours, Yosef, mais ça n'a pas de sens. Pas question! Eh bien, maintenant que tu as mentionné ça. J'ai besoin d'exercice. Mais je continuerai à manger. Ah, je pense que tu deviens un peu genre un peu grosse quoi. Enfin, tu commences à prendre du poids. Mais je vais rester manger. Vraiment. Enfin, je vais continuer à manger, je pense. Je suis désolée pour mon anglais, voilà. De la vie, de la molle. Et maintenant, et ça, et donc, c'est une heureuse histoire des d'anges et démons qui vivent en harmonie. À qui est-ce que tu parles? Oublie ça. Juste oublie ça. En fait, la meuf, elle nous parle.
Elle dit, ouais, il y a des gens, ils vont jouer à mon jeu. Ah, il y a le château. Qu'est-ce qu'il y a, Froze? Eh bien... j'ai perdu... j'ai l'impression... Je crois que j'ai perdu ma... Ma montre, non? Ma montre de poche. Hein? Où? Elle était déjà... elle était déjà disparue quand... j'ai mangé la... La tarte à Diallo, donc... elle doit être près de la forêt. Eh ben, allons regarder ensemble. Allez, viens. Désolé. Oh, c'est rien. Attends, c'est où? C'est ici, non? C'est qui fait des trous là? Je pense pas qu'elle l'ait perdu là parce que sinon. Mais genre, il y a quoi ici? Elle a dit près de la forêt, on allait vers la forêt là-bas. Beginning Forest. Bon, en fait, c'est là les gens. Oh, tu me fais chier, toi. Hein. Oh, monsieur l'abeille. Bzzz. Genre, il parle au truc maintenant. Bzzz. Oh, Froze. Ta montre est sous monsieur l'abeille. Ah, donc c'est ici. Bzz. Monsieur l'abeille, est-ce qu'on peut juste te déplacer une seconde? Bzz. Je vais l'exterminer, moi. Il veut toujours pas. Je m'en bats les steaks, moi je la tape. Hein. Battle. J'ai que des attaques. Alors. Genre, je peux pas me soigner, quoi. Putain, je vais mourir comme une grosse conne. Oh, j'ai gagné. Est-ce que j'ai repris de la vie? J'ai failli mourir. Ah, c'était un... Il était dangereux, celui-là, monsieur l'abeille. Est-ce que vous croyez qu'il y a des sauvegardes dans le jeu?
Ici, ta montre de poche. Dis surtout pas merci. Contente que nous l'avons trouvée. Oui, merci. Ne mentionne pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quoi ce bruit? Oh, c'est quoi ça? J'ai peur. J'ai peur, maman. Quelques jours plus tard. Et donc, nous sommes ici à la... chez Diallo pour manger la tarte de pomme. Encore. Tu vas devenir grosse, sérieusement. Plus que tu ne le crois, Froze. Je fais de l'exercice régulièrement. Don't, but anyway. Pas, mais bientôt. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a, Diallo? Prendre de l'appétit au compte, je suis. Ah! Elle essaye de faire la tarte, sauf qu'elle a. Je crois qu'elle a pas beaucoup de pommes. Quoi? Il en a un peu. Attends. Ce sera. Attendez. Ça va être une vraiment petite tarte de pommes. Si c'est comme ça. Qu'est-ce que tu regardes pour moi? Ce n'est pas comme si je vais aller voler ta portion. Ce n'est pas comme si j'irai voler ta portion. Grrr. Que faire? Je vais aller chercher des pommes au parc. Enfin, des pommes parc. Will you? Genre, ok. Enfin, vas-y. Ouais! Let's go, Froze. Vas-y. Allons-y, Froze. Pourquoi devrais-je venir? Parce que ça fera de l'exercice. Des bons exa de la, de bon exercice. Je te l'ai dit, je l'ai déjà fait. Eh bien. I'm counting on you two. Je compte sur vous deux. Juste. Laisse-nous. Ok, ta mère. Ok. Est-ce que je peux save? Ah! Ah, c'est bien. Bon, les gens, ça fait déjà 20 minutes qu'on fait cet épisode. Donc, j'espère en tout cas que cette nouvelle série vous plaira. C'est vrai que c'est pas du RPG horreur par rapport à, par exemple, à Minecraft Eve ou bien le RPG. C'est quoi que j'ai fait? Mogego Castle, bon, c'était pas vraiment de l'horreur. Enfin, c'est plus basé sur une histoire. Donc voilà, moi je préfère ça. Si jamais vous voulez que je fasse vraiment un des RPG horreur, dites-le moi dans les commentaires. Donc en tout cas, j'espère que vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!